Bonjour. L'Office municipal des loisirs de Gennevilliers propose un voyage au Mans le week-end du 15 et 16 octobre avec visite du circuit et du musée des 24 heures. Alors je sais, vous allez me dire, enfin je suppose que vous allez me dire parce que je vous entends pas. Non, vous allez me dire, mais les 24 heures du Mans c'est au mois de juin, alors soit c'est un peu trop tôt, soit c'est un peu trop tard. Mais en tout cas c'est raté. Alors je dis, oui. Mais c'est comme ça. Alors est-ce que ça valait le coup de m'interrompre juste pour ça? Et puis il faut voir le côté positif. Et c'est quand même l'occasion de voir le circuit sans les voitures dessus. Et bon, ça c'est quand même... Bah c'est dommage parce qu'on va en général voir un circuit à cause qu'il y a des voitures dessus. Ben sinon c'est juste une route qui tourne en rond. Comme un grand rond-point en fait. Mais c'est intéressant parce que quand il y a des voitures dessus, on regarde les voitures et pas le circuit. Et ça c'est pas gentil. Ben oui, le pauvre il est pour rien. Et puis là vous pourrez aller au musée aussi. Alors que pendant les 24 heures... Bon, vous pouvez aussi. Mais il y a plus de monde. Et puis au musée, alors... Bon, là, je vous cache pas qu'il vaut quand même mieux aimer les voitures. Mais ça va de la Chenard et Walker, qui a gagné la première édition des 24 heures du Mans, à des voitures beaucoup plus récentes, comme la Peugeot 905, la Porsche 936, par exemple. Mais je voudrais pas vous saouler avec des détails techniques. C'est quand même la première voiture à avoir gagné avec une technologie révolutionnaire pour l'époque. Et oui, Jamy, le turbocompresseur. J'ai d'ailleurs fait une maquette. Où est ma maquette? Tais-toi, Chami. C'était en 76. Voilà, c'est juste pour... C'était un flat 6 turbo de 2 litres 1 qui développait plus de 500 chevaux. Tanka. Quoi? Il faut se recentrer, là. Ah. Ouais. D'accord. Pendant le week-end, vous aurez aussi droit à une visite de la cathédrale et des quartiers historiques. C'est bien, aussi. Il n'y a pas de voiture. En tout cas... À tous ceux qui ont trouvé malin de m'interrompre au début de la vidéo. Eh ben, je suis désolé, mais ça risque d'être quand même très intéressant. Et puis, c'est tout.